Bon, les amis, je vais vous raconter une histoire qui va vous faire marrer, mais en même temps qui va vous permettre de prendre conscience de beaucoup de choses. Et je vais vous donner surtout deux astuces, vraiment des astuces que moi j'utilise pour ne plus avoir à faire des Western Union. Bon là, j'en fais quasiment plus, mais à l'époque, c'était une astuce que moi j'utilisais certainement pour ne plus avoir à envoyer de l'argent aux gens. Ce n'est pas être méchant, mais c'est être radical et il faut vraiment qu'on le soit. L'histoire que je vais vous raconter est quelque chose qui est arrivé à un de mes collaborateurs. Vous allez voir que c'est une histoire tellement marrante, mais en même temps qui doit vous pousser à prendre conscience en fait de ce qui se passe réellement quand on envoie de l'argent au pays, d'accord? Donc je vais vous la raconter et puis ensuite je vais vous donner les deux conseils, les deux astuces ou les deux choses qui vont vous permettre de ne plus avoir envoyé de l'argent en Afrique. Donc là, j'avais une réunion avec un de mes collaborateurs qui vit en France. Il est camerounais, je vais peut-être pas redire son nom. Donc, je l'appelle pour avoir la réunion parce qu'on est en train de planifier l'année 2022. On est en train de faire beaucoup de choses qui sont en train d'être préparées pour 2022. Et quand je l'appelle, il est énervé. Je sens qu'il n'est pas content. Il est là, il est énervé. Je lui dis, mais attends, gars, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es énervé? Il dit, non, ça ne va pas. Ça ne va pas avec le bon ton camerounais, quoi. Non, là, je suis très énervé. Je lui dis, mais attends, gars, tu es énervé, pourquoi raconte? Donc là, il me dit, non, c'est mon petit frère au pays qui m'a énervé. Je lui dis, comment ça, ton petit frère t'a énervé? Qu'est-ce qu'il a fait? Il me dit, non, le gars, vraiment, il a les foutaises. Il a les foutaises même, avec le bon accent. Donc je lui dis de me raconter l'histoire, il me raconte l'histoire que je vais vous dire maintenant. En fait, son petit frère l'a appelé pour lui demander de l'argent, pour lui dire « Ah, j'ai besoin d'argent pour régler un souci. » Ok. Donc le petit frère avait besoin de 200 000 francs CFA. 200 000 francs CFA, ça fait à peu près 300 euros. Donc lui me disait qu'il n'avait que 300 euros, donc il est parti à Western Union et il a fait le transfert. Le truc c'est que le lendemain, en fait, je crois qu'il a fait ça hier. Donc là, aujourd'hui, il appelle son petit frère pour savoir si le petit frère a récupéré l'argent. Première chose, le petit frère prend l'argent. Il n'a même pas la bienséance de l'appeler pour lui dire qu'il a récupéré l'argent. Donc, il appelle le petit frère pour savoir si le petit frère a pris l'argent. Et le petit frère dit oui, j'ai pris l'argent. Et là, il rajoute, mais tu avais dit que tu allais m'amener 200 000 francs CFA. Mais là, je suis parti, j'ai récupéré 191 000 francs CFA. Donc, moi, gars, j'avais besoin de 200 000 francs CFA. Et là, maintenant, il faut que je cherche 10 000 francs parce que le problème que je dois résoudre, là, c'est un problème de 200 000 francs CFA. Donc, lui, il dit à son petit frère, mais non, j'ai envoyé les 200 000 francs CFA. En fait, j'ai envoyé 300 euros. Lui, il envoie 300 euros. Et il a demandé à la dame de Western Union de prendre les frais à l'intérieur. Donc, il explique à son petit frère. Et son petit frère qui lui dit, mais ah, toi aussi le paie. Et il me raconte comme ça, ça fait trop marrer. Mais toi aussi le paie. Tu aurais pu payer les frais quand même. Tu aurais pu prendre les frais en charge. Comme ça, moi, j'allais avoir vraiment les 200 000. Parce que là, maintenant, il faut que j'aille chercher 10 000 francs CFA pour pouvoir résoudre mon problème. Et donc, le gars, ça l'a énervé. Il a commencé à lui crier dessus de ce qu'il me disait. Mais ça va pas chez toi. Tu sais pas comment je galère ici pour avoir l'argent. Je t'envoie les 200 000 et tu oses encore me dire que c'est pas beaucoup ou bien qu'il faut prendre les prêts. Patati patata. Et là, il me disait, mais Jean-Yves, il a simplifié mon argent. Il simplifie mon argent. Et c'est parce que je ne savais pas ce que ça veut dire. Et là, il me dit après que non, simplifier, ça veut dire minimiser. Donc, le petit frère a simplifié son argent. Que lui, les 191 000 qu'il envoie, le petit frère ne prend pas ça en considération. Et ça l'a énervé, donc il était énervé pour ça. D'ailleurs, vous, si ça vous arrive, qu'est-ce que vous allez faire? Dans quel état vous allez vous trouver? Donc, et moi, pendant qu'il me disait ça, moi, ça me faisait marrer. Moi, je rigolais. Parce que, en fait, c'était l'un des premiers, comme moi, je disais, arrêter d'envoyer de l'argent en Afrique. C'était lui qui me disait, mais Jean-Yves, tu es un peu trop dur, gars. C'est la famille, tu es dur. Il faut qu'on aide la famille. J'ai dit, écoute, si tu veux réussir, à un moment donné, faut mettre stop au Western Union, sinon ça va pas aller. Il me dit, ouais, mais tu sais, c'est compliqué. Donc, quand il me disait ça, je lui dis, tu as vu, gars, tu as simplifié mes paroles. Aujourd'hui, c'est qu'il fallait t'es arrivé pour que tu puisses prendre conscience. En fait, quelqu'un t'appelle pour te demander de l'argent et tu envoies comme ça. Toi-même, tu simplifies l'argent que tu envoies aux gens et qui simplifie? Parce que les gens, ils vont suivre ce que tu fais. Si toi, tu leur montres que l'argent que toi, tu gagnes, tu peux facilement leur envoyer comme ça, ils vont simplifier. Donc moi, je vais vous donner deux astuces que j'utilise maintenant pour ne plus avoir envoyé de l'argent. En fait, c'est des conseils que moi, je lui ai donné. Il m'a demandé, mais comment tu arrives à faire pour ne plus envoyer de l'argent, pour être tranquille avec? Gars, à un moment donné, tu es obligé d'avoir le bon mindset. Parce que l'argent qu'on envoie en Afrique, ça n'aide pas toujours. Franchement, ça n'aide pas toujours. C'est un débat perpétuel. On va en parler. Moi, je trouve que ce n'est pas dans tous les cas que ça aide. D'ailleurs, il y a des moments où j'ai dit, il ne faut pas envoyer de l'argent, à moins que ce soit maladie ou scolarisation. Et encore, mais sinon, on n'envoie pas de l'argent. Donc, je lui donnais ces deux astuces
pour ne plus qu'il ait envoyé de l'argent. La première astuce, quelqu'un t'appelle pour te raconter un problème. Tu as le droit de lui poser les questions sur ce qu'il va faire avec l'argent. Et c'est ça le problème de beaucoup de nous. C'est que quand on nous appelle pour nous demander de l'argent, on donne l'argent sans même poser des questions, sans même savoir à quoi l'argent va servir. Moi, tu m'appelles, tu me dis que tu as besoin d'argent. Je vais te demander, tu veux faire quoi avec l'argent? À quoi ça va te servir? Est-ce que tu n'as pas déjà pensé à d'autres choses avant de venir me demander de l'argent? Qu'est-ce que tu as fait? Par exemple, quelqu'un va me dire, j'ai besoin de 100 euros. Je lui dis, bah, si les 100 euros, combien tu as trouvé par toi-même? Parce que c'est important de responsabiliser les gens. Et si la personne ne répond pas à ces questions-là, je n'envoie pas l'argent. Parce que la plupart du temps, les gens vont dire, ah, mais toi aussi, tu me poses beaucoup de questions comme ça. Ah, à cause de ton argent. Oui, à cause de mon argent, j'ai le droit de te poser toutes les questions qu'il faut. Si tu veux dire que je suis méchant, dis ce que tu veux, ça c'est pas mon problème. C'est moi qui souffre, c'est moi qui travaille comme un malade. Donc je suis en droit, avant de donner mon argent, de savoir ce que tu vas en faire. Parce que quand je vais te poser toutes ces questions-là, demain tu vas faire attention avant de venir me demander de l'argent. Tu vas te rassurer que le sujet ou la problématique pour laquelle tu viens me demander de l'argent est super importante. Ça c'est la première chose. Donc demandez toujours à quoi va servir cet argent-là. Et ne soyez pas gênés. Je vois des personnes de la diaspora parfois, quand on leur demande de l'argent depuis le pays, ces personnes sont gênées même de poser la question de savoir mais à quoi l'argent va servir. Ou bien quand les gens vont parler, ils vont regarder seulement, ils ne vont rien dire. Non, arrêtez ça. Vous demandez et vous êtes en droit de savoir où votre argent part. Ok. Deuxième chose. D'ailleurs même, c'est trois choses, c'est trois astuces finalement. Mais la troisième est la plus importante. Deuxième chose. Quelqu'un vous appelle le 9 du mois pour vous demander de l'argent et vous vous envoyez l'argent le 10, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, si tu m'appelles pour me demander de l'argent, à moins que tu ne sois sur un lit d'hôpital, à moins qu'il n'y ait mort d'homme ou à moins qu'il n'y ait maladie, si tu m'appelles à un mois pour me demander de l'argent, je te mets sur le calendrier du mois suivant. Et je vois la possibilité le mois suivant de t'aider. Parce que je ne suis pas là pour gérer les urgences des gens. Moi aussi j'ai mes urgences, est-ce que vous comprenez? Et ne laissez pas les gens vous appeler n'importe comment pour vous demander de l'argent, n'importe quand. Et puis vous aussi vous donner cet argent n'importe comment. Ça ne passe pas. On vous appelle. Vous vous demandez de l'argent en décembre, vous dites, écoutez, moi, mon planning de décembre est déjà fait depuis longtemps. En tout cas, moi, c'est mon cas. Mon planning est déjà fait depuis longtemps. Le planning de ce que je vais dépenser est déjà fait depuis longtemps. Donc, je vais voir comment je te mets sur le planning du mois suivant. OK? C'est de l'organisation. La personne ne veut pas, c'est son problème. C'est ton argent, encore une fois. OK? Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième est la plus importante. Il faut arrêter de donner de l'argent. Il faut arrêter de donner de l'argent. Moi, j'ai arrêté depuis longtemps de donner de l'argent. Ce que je fais maintenant, je prête de l'argent. Vous allez vous dire, mais Jean-Yves, quelle est la différence entre donner et prêter? Il y a une très, très grande différence. La première différence, c'est que donner ne responsabilise pas la personne à qui vous donnez l'argent. On est tellement habitué à recevoir. En gros, les gens sont tellement habitués à ce qu'on leur donne facilement qu'ils se disent que bah, l'argent, c'est facile à avoir en fait. Que la diaspora, mais tu appelles seulement là, ils t'envoient l'argent, chap-chap tout de suite. Non, ce n'est pas comme ça, d'accord? Moi, maintenant, je décide de prêter de l'argent. Et je vais vous dire pourquoi et comment le faire. Quand vous prêtez de l'argent, vous responsabilisez les gens à qui vous donnez votre argent. Je vous explique, quand j'étais en France, quand j'étais à l'école, il y a un de mes amis qui est français et blanc. Et lui, il me disait à chaque fois que sa mère lui prêtait de l'argent. Quand il devait faire un truc, ma mère m'a prêté de l'argent. Et moi, en tant qu'Africain, venant tout droit de l'Afrique, je ne concevais pas qu'un parent prête de l'argent à son enfant. J'ai dit, mais comment ta mère peut te prêter de l'argent? Elle doit te donner. Il dit, non, elle me prête. Et comme ça, je lui rembourse. Et moi, j'étais contre. Mais c'est après que j'ai compris. Parce que quand sa mère lui prêtait l'argent, il se sentait redevable et il devait redonner cet argent à sa mère. Donc, il devait travailler pour donner cet argent à sa mère. Je ne dis pas qu'il faut le faire à vos enfants, mais en fait, c'est le côté redevance, redevabilité qui est très importante. Parce que si vous donnez de l'argent à quelqu'un, c'est donné, c'est parti, la personne, c'est fini. Elle ne vous doit rien. Demain encore, il viendra et vous demandera de l'argent. Donc, moi, ce que je fais, quand quelqu'un vient me demander de l'argent, la première fois, en fonction du montant, si c'est un petit montant, je vais donner, ça va passer après avoir bien sûr posé toutes les questions qu'il faut. Mais la deuxième fois, la personne vient me demander de l'argent, je lui dis non, cette fois, je ne te donne pas. Je vais te prêter. Et quand je dis je vais te prêter, je dis je te prête, mais je veux que tu me rembourses pour que je puisse aider d'autres personnes. Tu vois? Pour que je puisse aider d'autres personnes, il faudra me rembourser cet argent. Et ce que je fais, je parle toujours par WhatsApp, comme ça il y a des traces. Les gens me disent à quelle échéance ils vont rembourser, sous combien de mois ils vont rembourser, sur combien de mois, si ça doit faire plusieurs mois. Mais je vais vous dire une chose, depuis que je fais ça,
100% des personnes à qui j'ai donné de l'argent comme ça, à qui j'ai prêté de l'argent, ne sont jamais venues me rembourser cet argent. Oui, 100%. Mais c'est bien, c'est une bonne chose. Parce que du coup, tu ne me rembourses pas cet argent, je ne te donne pas. Je ne te donne plus d'argent. Et le truc, c'est que la plupart, ils ont honte, ils ne veulent plus venir demander l'argent parce qu'ils n'ont pas eu le courage de rembourser la première somme. Et quand quelqu'un a besoin d'argent, toutes les conditions que tu vas poser, la personne va dire oui. Parce que dans l'immédiat, la personne a besoin d'argent, vous comprenez? Et ça, c'est l'astuce qui m'a permis de ne plus avoir à envoyer de l'argent à qui que ce soit. Parce que tellement de personnes, je leur dis, je te donne crédit, c'est un crédit, prends, c'est un crédit. Et que ces personnes, je suis consciente qu'elles ne vont pas rembourser. Et ces personnes savent elles-mêmes qu'elles ne vont pas rembourser. Mais tu sais, l'Africain, la plupart du temps, ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Désolé de le dire, mais c'est beaucoup le cas chez certains. On veut l'argent tout de suite. Chap, maintenant, on ne pense pas au futur. On est prêt même à salir notre réputation parce qu'on veut de l'argent tout de suite. Donc, les gens ne pensent pas au futur. Donc, quand tu leur dis, tu vas me rembourser cet argent, ils disent, oui, je vais te rembourser, sachant qu'ils ne vont pas te rembourser. Ok. Donc, il y a un petit malin à qui j'ai prêté l'argent comme ça, un cousin, et qui est venu me voir pour me dire, j'ai encore besoin d'argent. J'ai dit, attends, l'argent que je t'avais donné la dernière fois, tu te rappelles, non? Le 25 août 2019, là, à 17h45, comme la plupart des femmes qui savent exactement tout ce que les gens font à telle heure. Donc, j'ai dit, je t'ai donné cet argent. Où ça est? Il m'a dit, ouais, prête-moi encore. Comme ça, je dois faire un business, là. Quand je vais faire le business, je vais te rembourser tout. J'ai dit, non, tu me rembourses d'abord ce que tu me dois et c'est ce que je vais prendre pour te redonner. Tu ne me donnes pas d'argent, je ne te redonne pas. Et là, oui, mais ce n'est pas gentil. Et c'est ça le problème. Les gens de la diaspora, ils se disent que s'ils ne donnent pas l'argent, on va dire qu'ils sont méchants. Mais les gars, quand on dit que vous êtes méchants, parce que le plus souvent, vous pouvez aider quelqu'un 9 fois. Mais si la 10e fois, vous dites que vous ne pouvez pas l'aider, on va tout de suite vous taxer de méchant. Donc moi, je dis, je préfère qu'on me taxe de méchant en même temps. Dites que je suis méchant. Comme ça, le jour où je vais t'aider là, tu vas dire, ah, le méchant m'a finalement aidé. Donc, il n'est pas si méchant que ça. Donc, apprenez à prêter de l'argent. Responsabilisez les gens à qui vous donnez de l'argent. Prêtez-leur, dites-leur, cet argent-là, je te le prête parce que j'ai travaillé dur avant de l'avoir. Et moi aussi, j'ai mes problèmes, j'ai mes investissements, j'ai mes business. Mais je mets tout ça de côté pour te donner cet argent. Donc, je veux bien que tu me redonnes pour que je puisse construire mes projets. Ou bien je veux bien que tu me redonnes pour que je puisse aider d'autres personnes. Comme ça, une fois que cet argent est sorti, en fait, c'est le même argent qui va circuler. Et si la personne est d'accord qu'elle ne vous rembourse pas l'argent à la suite, vous ne donnez plus. Vraiment, vous ne donnez plus et vous vous entendez, soyez clair avec les gens. Et c'est que comme ça que vous pouvez responsabiliser. En tout cas, c'est ce que j'ai dit à mon collaborateur. Je lui ai dit, arrête d'envoyer l'argent facilement. Toi, on t'appelle à 10h d'envoyer l'argent, 10h20, tu as déjà envoyé l'argent, 10h10. Quelqu'un même, il t'appelle, il éternue, tching, il n'a même pas fini d'éternuer. Il est déjà au Western Union pour faire le transfert. Mais comment vous ne voulez pas que les gens simplifient votre argent? C'est pas possible. Les gens vont simplifier votre argent si vous-même, vous simplifiez votre argent. Donc, apprenez vous-même à considérer l'argent que vous avez, à considérer l'argent que vous envoyez. Et puis, vous allez voir que les gens vont considérer cet argent-là. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce sont des choses qui vous sont déjà arrivées? Dites-le moi dans les commentaires et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus!